Grâce à soutien USAID, Union européenne, Kansas State University, NUD et divers autres, l'Université Quisqueya a commémoré lundi 2 septembre 2024 la Journée nationale haïtienne éducation qui a rapport avec changement climatique pour voir comment yo capable porter apport éducation dans atténuation impact changement climatique yo en Haïti, une journée qui déroulait sous thème changement climatique yo avec espace haïtien en jeu avec perspective. Madame Raymond, qui travaille sous concept diplomatie scientifique, science policy avec interface sous question science société qui a un rapport avec changement climatique, plus précisément pour Haïti, a parlé non des impacts. Toujours gagne pile inondation et après chaque problème qui gagne dans l'effet changement climatique là que nous subissons, nous sommes comme si nous-mêmes population côté que gagne pile mort, côté que gagne pile monde qui vient sans abri, gagne pile maladie qui vient à propager et puis gagne pile monde qui mourit. Madame Raymond Abdinotou, qui ça l'État a dû faire par rapport à une telle situation? C'est pour l'État lui-même qui investit dans la science parce que c'est la science qui a nous des données. Côté que universitaires, les chercheurs, ils peuvent chercher des données, ils peuvent faire des observations, des études de terrain pour comprendre ce qu'est le changement climatique, là, pour comprendre l'impact du changement climatique là, et qui ça, qui répercussion tout événement extrême qui a gain sous population. Dans la clôture journée, hein, organisateur à travers un colloque, signé une déclaration baptisée Déclaration Turgeot pour proposer aux autorités de l'État haïtien adopter date 1er septembre comme journée nationale haïtienne éducation au changement climatique, a demandé ministère éducation nationale et formation professionnelle inscrit journée ça dans agenda national là pour la notifier communauté internationale là dans action citoyenne ça acte national là dans lutte contre réchauffement climatique là, d'après vice-doyen recherche et innovation Université Quisqueya, professeur Evans Emmanuel. Il m'a dit l'État haïtien pour non seulement intégrer dans l'agenda national PIA, mais également faire promotion auprès de partenaires internationaux. Job tout scientifique, c'est conseiller l'État à partir de résultats travaillés. Donc, sur base de résultats travaillés, l'État lui-même, il voit qu'il y a une politique publique qui a amélioré et adapté. Et c'est sous base de ça, dans la discussion avec les partenaires internationaux, il va jouer un financement. C'est un dossier que nous avons suivi, Renan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince.